1967, Éric de Dampierre me fait entrer au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, en même temps qu'au département d'ethnologie de Nanterre, qu'il a fondé ensemble, avec l'idée que ça doit être un petit laboratoire et un petit département où les chercheurs enseignent et où les enseignants ont le temps de faire de la recherche. C'est pourquoi j'ai à la fois un poste d'enseignement et un poste de recherche. À l'époque, c'est complètement nouveau, ça n'existait pas. Les enseignants n'avaient pas le temps de faire de la recherche, et pourtant, ils étaient devenus maître assistant, maître de conférence, sur la foi de travaux de terrain que tout d'un coup, ils ne peuvent plus faire. Et donc, le projet de ce laboratoire, c'était que ça doit être possible. Et surtout, il a embauché un petit nombre de personnes qu'il a choisies lui-même comme étant des novateurs dans le domaine. Et par hasard, c'est l'université où les enfants du 16e arrondissement, c'est-à-dire les mieux scolarisés de France, de Neuilly, c'est leur université, donc on a des étudiants d'élite et on est nous-mêmes, pour aller vite, des chercheurs d'élite, des jeunes chercheurs d'élite. Et donc ça crée une atmosphère absolument incroyable parce qu'il y a un enthousiasme à enseigner, à partager, à former des jeunes ethnologues qui nous demandent constamment des séances de séminaires supplémentaires, ils voudraient approfondir telle question. On organise on the spot un séminaire pour la semaine prochaine sur tel point. Dès qu'un de nous écrit un article sur un de ces sujets, il monte à Nanterre et il dit « voilà, j'ai écrit un papier, on le discute ». Dans l'heure qui suit, il y a une salle remplie de 40 personnes devant qui on lit son texte et il y a une discussion détaillée. Donc pour moi, c'est l'époque bénie de ma vie de chercheur et j'aurais voulu que ça dure toujours. Naturellement, ça n'a pas duré. Mais c'est l'époque bénie où on est enseignant, chercheur, formateur, chercheur. Et dans une communauté où il y a une liberté et une exigence formidables. Bon, moi j'enseigne sur les systèmes tribo-arabes et j'assume le cours général d'anthropologie politique. Et pendant ce temps-là, j'écris pour l'homme sur mon domaine de recherche. Par exemple, dans cette unité remarquable qui était Nanterre, il y avait Marshall Salins qui a passé 2 ans parmi nous, qui nous a beaucoup, beaucoup appris, qui était comique, drôle, qui nous a appris à quel point nous ne savions rien. Par exemple, en préhistoire, puisqu'on l'avait appris au musée de l'homme, on trouvait ça nul, mais il nous a dit non, c'est très important, l'histoire de l'homme. Bon, il nous a rendus sensibles à des questions fondamentales auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et parmi les chercheurs, il y en avait 4, surtout Dan Sperber, avec qui j'ai été très lié pendant très longtemps, qui à l'époque était anarchiste et gauchiste. Il y avait aussi Andras Zampleni, un africaniste, Daniel De Coppé, un océaniste, et Alfred Adler, un africaniste. Bon, voilà. Malheureusement, après 1971, Dampierre a changé son projet, non pas une petite formation d'élite, mais le plus grand laboratoire d'ethnologie de France. Alors il a voulu que toutes les disciplines, du jour au lendemain, 3 ans, que toutes les disciplines soient enseignées, que ça soit plus grand que le... En fait, il faisait concurrence au Musée de l'Homme. Bon, on peut comprendre que quelqu'un dont la famille a possédé le quart de la France veuille un jour faire ça. Mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Comme on avait une formation
les décisions étaient censées se prendre en assemblée générale. Bon, j'ai parlé contre ce projet et puis j'ai dit, bon, bah, puisque je ne vous ai pas convaincu, je me retire du fonctionnement du laboratoire, continuez-le, j'y reste, mais je participe qu'à au séminaire de mon groupe. Et en fait, une année après l'autre, la plupart des chercheurs qui étaient proches de moi, comme Sperber, sont partis en disant « Jeanne avait raison ». C'était plus le même projet, ils ont embauché quantité de gens qui étaient absolument inintéressants, mais ça permettait que tel sujet soit couvert. Bon. En 1968, l'Homme publie mon grand, entre guillemets, texte d'anthropologie sur l'anthropologie politique kabyle, relations de dépendance et manipulation de la violence en Kabylie, et qui montre justement comment il existe là, à la façon dont Pierre Clastre le montrera plus tard à propos de des Tupi-Guarani, comment les systèmes politiques tribo-arabes se construisent contre le pouvoir central, ottoman à l'origine et français ensuite, et comment leur stratégie est de se segmenter constamment pour éviter d'être conquis. Mais moi, j'y ai rajouté le fait que les sciences sociales à l'époque, surtout anglo-américaines, enfin qui sont celles dans lesquelles je vis, je lis, auxquelles je voudrais participer, etc., ont toujours l'idée que les groupes sociaux, ça marche. Ça ne se détruit pas. En anthropologie politique, c'est la même chose. Le fonctionnement des sociétés est fondé sur le bargaining, sur le fait qu'il y a des conflits, mais Glucksmann en anthropologie, je ne sais plus, d'autres en sciences politiques, que tout va s'arranger. Et moi, je veux mettre sur pied une anthropologie dans laquelle le désordre, la violence, l'instabilité, etc., c'est-à-dire pas la conciliation et le bargaining, sont des états normaux et constants des sociétés qu'il faut prendre en compte, pas comme un désordre provisoire qui va amener à l'ordre le plus profond, que d'ailleurs toujours les représentations fondamentales démontrent, etc. Donc moi, je montre à propos de cette société, c'est Kabyle du 19e siècle, j'ai reconstruit en fait pour ça un énorme travail de juriste de la colonisation qui avait traduit en droit Napoléon le droit kabyle, et je le retraduis dans l'autre sens. Et il raconte aussi beaucoup de cas, etc. Et je raconte comment sont les cas qu'ils envisagent, et je montre comment cette société fonctionne sur la vendetta, c'est-à-dire sur l'extermination, d'accord réglée mais permanente, d'un certain nombre de gens pour passer d'un état de désordre à un autre état de désordre. Bon, c'est ça que j'aurais envie de montrer. Naturellement, quand ce texte est allé au Journal of the Royal Society of Anthropology, il a été refusé, Gellner était atterré, parce que les arguments qui m'ont été opposés étaient tous des arguments d'ordre social. Bon, et moi je disais qu'en plus, ce système, malgré la vendetta instituée, produit très peu de morts, mais que c'est le désordre qui est la catégorie fondamentale. Bon, au printemps 68, comme je n'ai pas... Je pense toujours que je vais pouvoir faire du terrain, je vais visiter la Kabylie. Et là, je tombe de tout mon haut, c'est-à-dire au bout de 4 jours, je suis convoqué par le sous-préfet qui me dit « Mais Saada, Saada, ce nom, vous avez été en Israël, c'est un nom juif, quoi. Ils savent bien, si ce n'est pas un nom arabe, ça ne peut être qu'un nom juif. » Et donc, je comprends que ce n'est même pas la peine d'essayer qu'une femme juive dans un village kabyle pour plusieurs mois, c'est juste pas possible. De toute façon, personne n'a jamais pu, depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, faire un terrain continu en Algérie. Ça n'est toujours pas possible aujourd'hui.
Même Fanny Colonna, dans les travaux sur les Aurès, elle a fait des petits 15 jours par ici, 3 semaines par là, parler avec des étudiants. Enfin, ça a été la condition de l'ethnographie de l'Algérie depuis toujours. Et donc là, je comprends que non, je ne peux pas y aller. Pour moi, il est impossible que je sois jamais arrêtée comme juive. Je ne peux pas supporter ça et je veux bien être arrêtée comme je ne sais pas quoi, révolutionnaire, peu importe. Mais juive, ce n'est pas possible. Je ne donnerai pas ça à aucune révolution. Et ça s'est produit, comme vous pouvez supposer, dans la vie politique française ensuite. Bon. Donc voilà, comme le régime militaire paraît devoir durer, je change de spécialité. Je dis bon, je vais continuer à publier dans l'Homme les articles que j'ai promis, et voilà. Et donc depuis 6 ans, j'ai investi toute mon énergie intellectuelle dans ce projet, devenir une ethnologue de terrain en Algérie, avec le soutien de Gellner qui est très intéressé, et de loin de Lévi-Strauss qui me soutient comme ça, contre le gré des mandarins de ma discipline, parmi lesquels le jeune Bourdieu, qui était sûrement pressé de conquérir son territoire, mais surtout contre la réalité sociale de l'Algérie, qui n'était pas prête et qui n'est toujours pas prête à supporter l'existence d'une ethnologue sur un terrain rural. Mais j'ai, pendant ces 6 ans, beaucoup lu, beaucoup appris, beaucoup enseigné d'anthropologie sociale anglo-américaine. Voilà, nous voilà en 68. Donc en mai 68, je suis à Nanterre, qui est un des hauts lieux de l'événement, puisque la révolte est partie du département de sociologie, qui est l'étage au-dessus, de celui d'anthropologie, et que nous sommes tous très proches. Bon. Je participe côté révolte aux événements avec 4 amis du département d'ethnologie, enfin, parmi les enseignants-chercheurs, dont Dan Sperber. Les autres se tiennent complètement à l'écart. Et ils sont bien contents de nous retrouver à la fin des événements, quand il sera question de faire passer des examens, car c'est nous qui, pour finir, négocions avec les comités d'étudiants la possibilité d'examen. Et moi, j'ai dit à ce moment-là, si on fait passer des examens, il faut que des gens puissent être calés. Il faut qu'il se passe de telle façon que tout le monde puisse, tous ceux qui ont travaillé avant mai puissent faire état. Bon, voilà. Mais donc, l'essentiel du département se tient complètement à l'écart. On est assez peu. Mais on s'en occupe pas, et surtout avec Sperber, on passe notre temps à arpenter la France. Et donc, à cette occasion, je suis envoyée faire la liaison du mouvement avec ce qu'on appelait les paysans révolutionnaires, c'est-à-dire une association qui s'appelait les paysans révolutionnaires, dans l'ouest de la France. Et j'ai participé à leur entrée triomphale dans la fac de Nantes, qui était fermée. On a poussé avec des tracteurs l'entrée, on est entré sur des tracteurs. Et ma voisine, qui était la femme de Bernard Lambert, un des leaders de ces paysans révolutionnaires, a dit « Ah, maintenant je pourrais passer une thèse ». Et elle l'a fait. Et moi j'ai dit « Ah, maintenant je peux vivre en France ». C'est-à-dire qu'il y avait... C'est absurde parce que c'est vraiment un cliché, quoi, de la France révolutionnaire, la France du peuple qui prend les forteresses barrées de l'élite et du savoir, et tout le monde va participer, ça va faire une merveilleuse révolution, une idée à la Michelet, quoi. Mais j'avais toujours pensé que je ne vivrais pas en France, que je ne savais pas où j'étais, mais que je ne me sentais pas française, tout en aimant beaucoup, parce que la tradition révolutionnaire française, la tradition des Lumières, de la Révolution, je la sentais trop loin de ce qu'on vivait. La France des années où j'y suis arrivée était extraordinairement réactionnaire,
conservatrice, et je ne voyais pas le lien, avec, comme je n'avais pas la chance d'être au Parti communiste où on rencontrait des gens d'autres classes sociales. Je ne faisais pas le lien et je disais, mais ce pays-là, je n'ai rien à faire avec lui. Il a produit une grande culture que j'adore, il a produit une langue que j'adore, mais je n'en suis pas. Et là, j'ai dit, j'en suis. Bon, alors en quelques semaines, je décide que je vais travailler en France sans savoir quoi. D'ailleurs, tous les quatre, on avait dit qu'on travaillerait en France, mais j'ai été la seule. Hein. Et bon, comme dans les retombées de mai, j'entreprends une psychanalyse personnelle, parce que pour retomber sur Terre, c'était un peu difficile. Voilà.